Ici. On a pris la route aujourd'hui, on a vu mais des paysages hallucinants. On s'attendait vraiment pas du tout à ça. On en a pris vraiment mais plein les yeux. Bon, y a beaucoup de vent. Oui, il y a beaucoup de vent. Mais il fait beau, on n'a pas de pluie, donc ça c'est cool, c'est un bon point. Et sinon bah ça fait aujourd'hui donc 103 jours qu'on est parti voilà, depuis en voyage, le 7 mai. Et on a fait 8885 km pour arriver jusque là. Voilà. Et le Cap Nord, en vrai, ça c'est le Cap Nord un peu commercial. Le vrai Cap Nord, il se situe ici. Là, ça c'est le vrai Cap Nord et on va le faire demain à pied. On vous montrera ça. Là, on est à Trollhättan. On est parti voir les roches et pierres dolomitiques. Et donc, selon les gens d'ici, donc les Samis, les roches seraient des trolls pétrifiés. Donc, on va découvrir ça. Bon, on avait gardé une bière pour le Cap Nord. Et ben ça y est, on y est, donc on vient de l'ouvrir. Et on fait ça. On fait ça. Il est 6h du matin et on se réveille au Cap Nord. La nuit a été un petit peu compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de vent et on s'est fait beaucoup secouer dans Gédéon. Et d'ailleurs là il y a encore du vent. Ouais, il y a encore beaucoup de vent et on va se lever quand même parce qu'aujourd'hui on va faire la randonnée pour aller au vrai Cap Nord géographique. Donc on a 18 km de marche. Je pense que ça va être un petit peu dur. Ouais.
Allez, voilà, on est parti pour les 18 bornes. C'est bon, on est au vrai Cap Nord. Donc derrière nous, c'est là où on a dormi ce matin. Et là, vraie péninsule du Cap Nord. Bon, on est à Alta, on voulait visiter une église, mais c'est dimanche, donc forcément c'est fermé. Mais on vient de voir qu'il y a un concert gratuit dedans, donc on va y aller. On va bien voir ce que ça donne. Thank you.
on est arrivé au glacier de Stendalsbreen qui est derrière nous. Donc le glacier se situe dans les Alpes de Lingen. Donc on a tous conscience que les glaciers fondent à des vitesses grand V à cause du réchauffement climatique. Et aujourd'hui là on s'en rend bien compte parce que le glacier en 98 était ici. Là c'était en 2002. Là en 2006. Là en 2010. Et tout là-bas en 2022.